Fontenoy, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur ces plots. Forcément, vous avez vu la vidéo, 1,7 million de vues. Parce que je me suis cassé les fesses sur ce poteau. L'idée de base, vous l'avez compris, c'était pas de me casser les fesses, c'était d'enchaîner tous ces plots ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plots à faire sur la roue arrière. As the floor is lava. Interdiction de redescendre à chaque fois. Une fois que je suis sur le premier poteau, il faut aller jusqu'au dernier. Donc s'il vous plaît, plus que 103 000 likes. Marquez déjà un petit pouce bleu dans la vidéo, ça fera plaisir. Aujourd'hui, il y a plein de défis avec le trial et avec l'enduro. On prend des risques. C'est parti. Allez, let's go. Ça, c'est super chiant. En fait, faudrait que je parte d'ici, tu vois, mais faut en plus que je saute par-dessus celui-là. Alors, on va tricher un peu. Ça changera pas le défi en soi, mais là au moins je vais partir en face, ça me fera déjà une difficulté en moins. Le problème là, c'est que je me bride inconsciemment, je n'appuie pas à fond sur mes pédales, du coup je monte pas assez haut, alors qu'il faudrait vraiment que j'aille de l'avant. Ça fait flipper parce que je me souviens de cette gamelle où j'avais zippé à côté, ça peut faire mal. L'idée, tu vois, c'est vraiment de partir roue arrière. Et là, je décale ma roue avant un peu à côté du poteau pour vraiment avoir de la place. Et là, je me jette. Mais ça fait peur. Et de deux. Allez, plus que 9. 1 hour later. Trois plots, on avance petit à petit, ça doit faire une heure. Tu marqueras dans les juste ici combien de d'essais j'en suis là. Je pense qu'il y a au moins 100 essais déjà. Ça fait une heure qu'on y est. Oh là là, que 3 sur 11, j'en peux plus. J'aimerais bien y arriver quand même. En fait, regarde, viens voir. Celui-là, il est trop chaud, pas envie de le rater. Je l'ai mis en équerre le truc. Là, ça va être monstrueusement chaud pour la prochaine fois. Il a vrillé. Wow, ça va être sacrément chaud maintenant. Ok. Bon, le coup, il a un peu une sale tête. Faudra se dire qu'il faut pas y rester trop longtemps celui-là. Du coup, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en restait 5. Putain, les plus faciles en plus. Allez, deuxième essai là, non? À peu près. 2 hours later. Alors on se rapproche petit à petit, on commence à les enchaîner là. Je sois bien décontracté quand je fais les mouvements, pas stressé. J'ai vu la frayeur là, j'ai vu le poteau dans ma tête. Ça commence à devenir chaud là. 3 hours later. Oh là là, 6. J'ai senti que ça a bougé ça. C'est ça qui m'a fait défaut. Putain, je sais pas comment je vais faire du coup là. Ah, j'étais nickel. Bon, ça va être vraiment chaud à faire. Tous les chapeaux, là, à force de passer dessus, ils commencent tous à bouger un peu. Mais alors celui-là, ça fait 3 heures qu'on doit y être. 3 heures, les gars. Je pense que dans les vidéos, on essaie de couper pour dynamiser à fond la vidéo, mais on se rend pas compte tellement c'est dur. Ça paraît simple, hein. Mais regardez déjà la hauteur du truc. Ça fait déjà 1m20, 1m25. Il faut déjà monter là-dessus et après tenir. Putain, allez, jamais rien lâcher, les gars. L'important, c'est de passer ici. Après, faut être focus. Mais celui-là, c'est le piège du milieu. Allez, j'arrêterai pas tant que je suis pas passé. Hein. Eternity later. Ça y est, une deuxième gamelle. Bon, après tout, ça fait plus de vues de tomber que de réussir, donc je me suis pris dans la hanche. Bon, ça fait 3h30 qu'on est là-dessus, les gars. J'en peux plus. On en a fait 6 et en plus le dernier, il commence vraiment à bouger là-bas, c'est une horreur. Là, on va aller faire un autre truc. J'arrêterai pas tant que je suis pas passé. Avec le VTT enduro, on va essayer de rouler sur un mur avec les voitures à droite et à gauche. Vous allez voir, ça va être bien chaud aussi. J'espère que je vais pas mettre autant d'essais. En tout cas, 6. Jamais fait autant de plots. Si vous voulez que je revienne et que je tente encore tout, et ben vous le marquez dans les commentaires. J'essaierai à nouveau de tenter ces 11 plots. Mais là, la hanche fait mal. Vas-y, on va remonter au camion, faire l'enduro. Mec, j'ai complètement explosé la roue avant. Ça tourne plus. On le voit là, elle est en 8. Elle est comme ça là, tu la vois? Eh mince. Bon, même si j'ai pas besoin de la roue avant en vrai pour ce genre de truc, mais ça va être plus compliqué pour le coup là. Bah allez, hein. Petite session rayonnage ce soir, ça fait plaisir. On va aller boire un petit coup de bang, tiens. Le sponsor de la vidéo pour que je puisse me racheter une jante là avec le sponsor là. Et voilà. Petit coup de bang, ça c'est bien mérité. Oh mec, pendant 3h30 j'ai pas bu une seule goutte.
ça fait tellement du bien. Du coup, comme je vous ai dit, Bang, sponsor de cette vidéo, vous les connaissez maintenant, sans sucre, sans calories, juste de l'énergie. Bon, j'aurais peut-être dû en boire un peu plus tôt pour passer. Mon record, donc 6 poteaux, je m'en allais suivre Bang pour acheter une jambe grâce à eux, changer le matos. Ça fait partie aussi des aléas du sport quand tu fais du vélo comme ça tous les jours. Bah, tu casses un peu du matos, donc il te faut des partenaires pour changer le matos. Merci à Bang. Allez, ça continue et j'ai quand même toujours mal à la hanche. Hein. Là, je vais switcher, je vais prendre le VTT enduro et on va tenter, comme je l'ai dit, le petit mur qui est en haut. Bah, c'est parti, suivez-moi. Le défi, vous le voyez derrière moi, l'idée ça va être de rouler sur le mur qui est juste derrière. Il n'est pas très large et surtout, vous le voyez, il y a des voitures qui passent à côté, des deux côtés. Donc, il va falloir déjà avoir une première phase de montée et après, le mur il fait peut-être 50 mètres, pas très large, vous verrez. Donc, c'est mon défi. Ça fait des années, je suis juste à côté de mon lycée où j'ai grandi. À chaque fois, je passais devant, j'ai dit, oh, ça serait trop bien de le faire avec le vélo. On va essayer aujourd'hui, on croise les doigts pour pas tomber. Et puis, c'est parti, je vous emmène en caméra embarquée. En plus, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai acheté la nouvelle GoPro 9. Vous allez me dire si vous voyez la différence dans la qualité d'image. Ça vaut le coup quand même que j'ai acheté cette caméra. Allez, c'est parti. Ok. Oh putain. Ouh, il n'y a pas de voiture en face. Premier essai. Ça va, il n'y avait pas de voiture. Comme quoi, ça peut être dangereux là. On part sur un deuxième essai. Ça fait flipper les voitures à côté. Oh là 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 là, yes. Wouh. Oh là, attends, ça arrive derrière. Ouais, 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 t'inquiète, je suis sur la route. C'est là qu'elle me dit que je suis timbré, elle a pas vu avant. Hein. Voilà, ça fait plaisir ça. Et j'adore parce que quand je suis revenu juste par la route, c'est là où je me suis fait klaxonner, genre à la nana qui me dit, oh, t'es timbré. J'étais sur la route, t'as pas vu avant, j'étais sur le mur. Et c'était marrant, il y a un gars, franchement il a bien joué le jeu. Il est passé à côté de moi, il a ouvert la fenêtre, il a dit waouh, il y a du level là, tu le verras, tu l'entendras dans la caméra. En vrai c'est super long, je suis focalisé sur le mur, je vois que le mur. Et ben voilà, défi réalisé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et d'ailleurs tous mes produits ils sont dispo sur la boutique si vous voulez me soutenir et vous aussi avoir tous les produits ride. shop.aurelienfrontenoy.fr. Allez, nouveau défi. T'es prêt à l'écraser, mais regarde ce qu'on va faire. Je vais prendre la canette, j'ai le vélo qui est déjà là-haut, en haut du camion. Et ce qu'on va faire, le but c'est de l'écraser pile poil comme ça, avant de la mettre à la poubelle. Normalement, pas besoin de la roue avant pour faire ça, donc on va la mettre là. Normalement, pendant les démonstrations avec le bomber show, on met quelqu'un et la canette on la met entre les jambes. Donc si vous êtes courageux, marquez dans les commentaires les gars, qui oserait se mettre allongé comme ça avec une canette entre les jambes. Si c'est le cas, bah je vous invite sur des démonstrations du bomber show et on le fera ensemble. Impeccable, on est pas mal. Du coup, bah, on va trouver une poubelle. Tiens, il y en a une là. Et puis, on va changer de spot. Hein. Pensez à recycler, les gars. Et puis, je mettrai ma jante avec dans la poubelle. Hein, parce qu'on va la recycler aussi. Hein. Ah, allez, dernier petit défi. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai un parachute. Du coup, on va se faire une petite traversée ici. Le plus vite possible. Je sais même pas comment ça se met. Je sais pas si ça a un intérêt. On va s'amuser. Le vélo parachute. C'est parti. Normalement, ça se met comme ça. À la base, tu sais, ça sert pour les gars qui s'entraînent genre au football américain ou les footballeurs, tu sais, pour avoir de la résistance. Je vais m'en servir avec le vélo, comme ça, ça va me faire ma prépa physique. Pas comme si j'avais pas suffisamment fait de vélo aujourd'hui, quoi. Je vais essayer de pédaler à fond d'ici et genre je le lâche en mode base jump, tu sais, voir ce que ça donne. Et hop. Ah, putain, ça tire. Je suis épuisé, j'ai trouvé un nouveau système pour s'entraîner, pour pédaler plus fort. Un système d'entraînement, je vais le proposer aux équipes de route. On a peut-être un brevet à déposer là. En vrai c'est marrant, tu sens un truc qui tire derrière comme ça. Pas une grosse résistance mais tu sens un petit truc qui tire. C'est rigolo. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu pour ma hanche, que j'aurai un petit bleu moi je pense. Donc merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Merci à Bang qui a sponsorisé cette vidéo avec laquelle je vais me servir pour changer ma roue avant. Parmi le premier, les poteaux ou le mur en enduro, lequel passage vous a le plus plu? Lequel pour toi était le plus impressionnant? Marque-le dans les commentaires. Et puis bien sûr, y a ma boutique les gars. Ciao, bon ride.